Ah là, on est plutôt pas mal dans ce Scania. Hein. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Justement, vous m'avez vu à l'intérieur du Scania, et ce n'est pas pour rien, puisqu'on est avec ce magnifique Scania aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Grand Utopia. Qu'est-ce que je suis content. Les amis, c'est la motivation est présente déjà dans un premier temps. J'ai changé l'angle de vue de la caméra pour, je sais pas, essayer de vous offrir une bien meilleure immersion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça vraiment sympa parce que vous voyez vraiment le volant en très grand. Parce que du coup, il est vraiment au premier plan pour le coup. Moi, ça me permet d'être couché tranquillement comme il le faut. Et puis, vous me voyez de manière un peu secondaire derrière. Et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu ce beau camion. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, on est sur Grand Utopia. Vous avez vu le titre de la vidéo, Grand Utopia, comme vous ne l'avez jamais vu, parce que voilà, avec les shader mode bien sûr qui rendent le jeu incroyable. Vous voyez les flares du camion, les couleurs, la saturation, tout. Voilà, je suis vraiment très très content les amis. Donc aujourd'hui on va se régaler puisqu'on va rouler en front de mer, en front de lac plutôt, puisque c'est un lac qui est ici, mais le lac de Grand Utopia, vous le voyez, il est quand même relié à l'océan qui est juste là. Donc moi ici, j'appelle pas ça un lac. Ah non, c'est pas un lac d'ailleurs, oui, c'est vraiment la mer en fait, c'est vraiment la mer. Donc là, on va conduire en front de mer, on est à Rivière-Sens, du coup, là où on s'était quitté dans la dernière vidéo. Et on va rouler sur la départementale pour arriver à La Falaise, avec une petite route qui est pas forcément mouvementée, mais vous savez que cette route-là, elle est quand même vraiment bien, puisqu'elle est des deux côtés, il y a de l'eau. Voilà, donc c'est quand même assez plaisant. Je me demande même, en fait, on va passer par là, hein. On va passer par là, on va prendre la petite route, on va pas prendre la départementale, on n'est pas non plus des... hein, on n'est pas des sauvages. On pourrait même passer par là, vous savez quoi? Les points d'interrogation là, hop, voilà, c'est parfait comme ça. On ajoute un petit peu de trajet finalement. Donc les gars, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, on bombarde la barre de pouces bleus et vous allez remarquer des petites choses assez sympas durant ce trajet. Enfin, dès maintenant, hop, voilà, c'est cette fluidité pour tourner la caméra. C'est un mode, un plugin que j'ai installé et je suis trop content. Voilà. J'ai rien de plus à dire, je suis mort. Non mais c'est vraiment génial parce que, attendez, hop. Voilà, ça rajoute beaucoup de fluidité au gameplay. Beaucoup plus d'immersion. Voilà. Faut juste s'adapter et prendre la main. Alors je vous ai pas encore dit ce qu'on livrait. C'est une surprise. Nous quittons le Inter, je ne sais même plus quelle entreprise là on était, mais bref, on transporte des radiateurs, voilà, je vous le dis, on transporte des radiateurs. Transport Grand Ouest, c'est là où on va, très bien. Grand Ouest, très bien, donc ça c'est parfait, ça va nous ouvrir encore des nouvelles possibilités de livraison. Et là, franchement, voilà pourquoi je vous dis Grand Utopia comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que vous voyez ce beau feu rouge, il est bien beau. Mais moi, vous savez qu'il y a un truc qui m'excite dans la vraie vie, c'est ça là, voilà. De voir la mer à perte de vue en face de toi comme ça là. Ça, messieurs dames, ça c'est quelque chose. Monsieur, le feu. Le feu est rouge hein, pour vous. Hein. Ah mais ils ont pas de feu en fait les piétons, j'ai rien dit. Donc ouais, la mer à perte de vue juste ici. Non mais franchement, là, c'est magnifique. Sachant que je redécouvre vraiment Grand Utopia de bout en bout parce que autant c'est joli Grand Utopia, autant machin. Mais avec le mode graphique, regardez-moi ça. J'espère que sur YouTube ça rend pareil. Je le dis à chaque fois parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas pareil. Mais regardez la couleur de l'eau. Et regardez-moi ce plaisir. J'ai envie de sauter dedans. J'ai envie de sauter dedans, en fait. Juste. Non, c'est phénoménal. Et je comprends les gens qui regardent et qui admirent le paysage. Enfin là, surtout, il est en train de draguer madame, je pense. Je pense que ça mérite une petite photo. Je pense que ça mérite une petite photo. Vais-je réussir à me déplacer? Telle est la question. Alors oui, forcément, je vais être coupé de ma tête hein, quand je me lève comme ça, mais c'est pas bien grave. Hein. La majorité du temps, je suis couché dans mon siège. Oh, franchement, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est juste pas magnifique ce qui se passe? Je ne sais pas, dites-le moi. Il y en a qui n'aiment pas forcément la mère. Ils préfèrent le père. Elle était drôle, elle était drôle. Attends, on va prendre une photo. Mais j'aimerais quand même tricher un peu, voir si on peut avoir des nuages peut-être. Ça peut rendre plus sympa. Mais des beaux nuages, hein. Des beaux nuages, pas des nuages nuls. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou alors... Ah voilà, ça c'est les beaux nuages qu'on aime. Hop. Et voilà messieurs dames, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. J'espère que vous avez kiffé. Mais voilà, il y en a qui aiment pas forcément la mer. Mais moi je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau et là c'est que du plaisir. Ah, le camion a disparu hein. On a croisé un camion, il a totalement disparu. Donc voilà, c'est un plaisir. Petite parenthèse,
Petite parenthèse culture. Oui, ça y est, je prononce bien. Mercedes. C'est bon, vous êtes content là? Vous allez arrêter de me casser la tête? Voilà, Mercedes. Sauf que moi, je suis alsacien. Je suis à la frontière allemande. Mercedes, c'est de la marque allemande. Donc si je veux le dire Mercedes, eh ben je le dirai Mercedes. Si vous voulez le prononcer à la française, allez-y, y a pas de souci. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, messieurs, dames. Mais voilà, comme ça vous êtes contents, j'arrête de dire Mercedes dans tous les cas. Voilà, Mercedes, tout le monde est content, c'est la maison du content. Donc ouais, on a bien fait de prendre cette petite route, au moins voilà, on va rouler tranquillement. On a l'eau de ce côté-là, alors que c'est vrai qu'à gauche, on aurait le départemental, qui est très très bien bien sûr, mais on se comprend, on est quand même dans un autre univers. On est quand même dans un autre univers. J'ai encore réaugmenté les graphismes. Pour ceux que ça intéresse au niveau vidéo, j'ai essayé pour vous d'augmenter la qualité sur la vidéo. Le problème, c'est que ça arrive pas trop à suivre derrière. Donc malheureusement, je pense que je vais devoir rester sur la qualité que nous avons actuellement. Donc moi, j'ai une immersion vraiment dingue. Mais sur YouTube, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien la qualité. Et j'en suis un petit peu navré. Là, on connaît la petite Virginie la Mauvaise. C'est pas le village de Virginie la Mauvaise. Si, si, me semble-t-il, hein. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, je vous invite à aller regarder cette vidéo en haut à droite. Faut absolument que vous la regardiez cette vidéo. Convoi avec My Godness et L7C Fox. Virginie la Mauvaise représente. Mais en tout cas voilà, dites-moi, en vrai, je pense que la qualité ne va plus bouger. Est-ce que ça vous convient telle quelle? Voilà, là vous voyez la vidéo, c'est on va dire la vidéo ultime. Est-ce que la qualité telle quelle, est-ce que ça vous va ou non? Et voilà, bah. Si ça vous va pas, bah je vais aller me faire foutre et puis je vais trouver des solutions. Mais si pour vous c'est ok, eh bah c'est parfait. Parce que le problème, c'est que à vouloir toujours pousser plus loin, c'est quand même la première fois que j'utilise un mode graphique sur le jeu. Donc moi je me régale, hein, visuellement, personnellement, moi là je me régale. Mais à vouloir toujours trop pousser, c'est là qu'on fait des conneries. C'est là qu'après ton jeu il crash et qu'après bah, c'est retour à la case départ et c'est terrible. Donc c'est pour ça, voilà. Donc que du bonheur, je sais pas si Grand Utopia est compatible avec les modes de neige. Je me suis jamais posé la question, je crois. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir, j'essaierai. J'essaierai avant même qu'on me dise si oui ou non ça fonctionne. Et on verra, parce que comme l'hiver arrive, bon, on va voir si on peut rouler dans la neige sur Grand Utopia. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, j'ai installé les modes au cas où. Donc Frosty Winter Mode, hein. Évidemment, la base du mode neige, hein, comme vous m'aviez demandé si j'allais le refaire. Donc si sur Grand Utopia on peut le faire, je le ferai. Sinon, bah non. Parce que là, on est vraiment à fond sur Grand Utopia. Nous avons la poissonnerie juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Avec Fish, Polar Fish. Si je ne m'abuse. Très bien. Qu'est-ce que c'est à gauche d'ailleurs? C'est des trucs de pêche ou de sel? Non, pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est en rapport avec, la nourriture... avec l'animal maritime. Ça c'est sûr, je n'aime pas les poissons. Voilà, je préfère vous le dire. Je n'aime pas le poisson, messieurs dames. Hop là, c'est cool, regardez la plage ici. Oh là là là, j'ai envie. Tu vois, avec ce mode graphique, j'ai juste envie de... C'est là que ce serait génial de pouvoir se promener, sortir du camion et marcher en troisième personne ou en deuxième personne et pouvoir se promener. Là j'aimerais juste me promener, quoi. Enfin, on se promène en camion, c'est juste parfait. Mais j'aimerais vraiment juste pouvoir sortir du camion et faire ma vie, quoi. Donc voilà, là on découvre Beaubourg. Beaubourg, c'est un beau bourg, hein, c'est un beau village, hein. Beaubourg la madame, au bourg le roi. C'est bientôt janvier, c'est bientôt la galette. Je rigole, attendons déjà Noël. C'est déjà pas mal. All I want for Christmas is M-Colo. Voilà, tout le monde est bien garé, très bien, personne ne s'est rentré dedans. L'appareil, ah, il y a un constat qui se fait, là je reconnais. Voilà, on a... un petit château d'eau devant nous. Je commente un petit peu ce que nous voyons. Parce que c'est toujours sympa, hein, de... Pour ceux... Parce qu'il y en a qui regardent pas forcément les vidéos. Ils écoutent en podcast un peu, tu sais. Genre ils écoutent... Oh, c'est une blague le feu. Ah, tu crois vraiment que je peux ralentir comme ça? Non, non, c'est pas sérieux. C'est pas sincère. Je peux pas m'arrêter comme ça. Attends. Faut pas exagérer, hein. Je transporte des radiateurs, frérot, quand même. 9 tonnes, hein, s'il vous plaît, hein. C'est pas grand chose, mais quand même, hein. Pas déconner, hein. Je voulais encore dire quelque chose. Oui, en commentaire vous m'avez posé la question: quand est-ce que Grand Utopia sera compatible avec la version 1.46 de Euro Truck? Et ben les amis, je me sens débile parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. En effet, sur le site Grand Utopia, quand tu veux télécharger la map, ils disent, alors c'est My Godness, hein, ils disent que c'est 1.45. Sauf que moi, messieurs dames, je suis en 1.46. Alors moi j'ai une version privilégiée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir la version que j'ai actuellement de Grand Utopia.
Mais tout de même, me semble-t-il qu'elle n'est pas un point 46. Sinon, enfin, je veux dire... En fait, ça, je ne sais pas, en fait. Pour moi, je pense que vous pouvez... Alors, si MyGodness peut apporter une réponse en commentaire, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour pour la 1.46 ou est-ce que, en fait, ça fonctionne? Parce que, pour moi, là, je suis en 1.46. Puisque je n'ai pas de bêta, et la 1.46, c'est pas de la open bêta, on est bien d'accord, c'est la dernière mise à jour. Ou alors, je suis en train de dire des conneries. Et, en fait, c'est simple. Faut me répondre en commentaire, est-ce que la 1.46, elle est en bêta ou est-ce qu'elle est sortie officiellement? Me semble-t-il, elle est sortie officiellement. Donc, si tel est le cas, je suis en 1.46. D'ailleurs, je crois que ce sera vite vu, on pourra le voir après. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Donc, normalement, je suis à 1.46. Donc, c'est pour ça. Normalement, quand Utopia doit fonctionner. Bon, en tout cas, voilà. Je vous laisse voir. Peut-être que MyGodness va répondre en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que. Je mettrai en description le tutoriel pour installer Grand Utopia. Peu importe la version, c'est le même procédé. Si ça vous intéresse, ceux qui veulent savoir comment installer Grand Utopia. Parce que j'ai bien fait ce tuto. Parce que, mine de rien, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment installer la map. Donc, en fait, ça tombe super bien. Donc, je vous ai fait un petit tuto que j'ai mis en non répertorié parce que. Bah, je me suis dit ça sert à rien de la mettre en public, il y a tellement de tutos qui existent. Et je suis pas à la recherche de faire des vues sur ce genre de vidéo. Donc je l'ai mis en non répertorié et je vous envoie le lien avec grand plaisir. Vous avez totalement le droit de partager la vidéo à vos potes pour leur expliquer comment installer. Oh c'est magnifique. Oh là là. Oh, c'est magnifique, on est déjà passé par là une fois. Et c'était beau, hein. Mais là, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Là, s'il vous plaît, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah le pont là. Attendez, déjà je vais faire une petite photo. Une petite photo, on va faire plein de screenshots hein, aujourd'hui je vous le dis. Ce serait dommage de passer à côté. Oh là 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 là. Le mode graphique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais là c'est super beau. Et là du coup c'est le pont d'Avignon. C'est le pont. Mais non c'est un pont. Ah bah c'est le pont qu'on va traverser en fait. On va traverser ce pont, my bad. Je croyais que c'était le pont pour aller à MyGotopia. Alors moi, complètement à l'ouest. Génial. Génial. Voilà, on a le yacht d'Emmanuel. Quand je dis Emmanuel, bien sûr, je pense à Emmanuel Macron. Ah, je me suis arrêté. Allez, faites des efforts. Tu peux passer, tu peux passer, tu peux passer. Non, ok, bon. Ça se fait pas ce que je fais, mais normalement, tu serais passé, hein, au pire. Peut-être pas non plus se foutre de ma gueule, hein. Allez. Ça me plaît, hein. Ça me plaît. Et vous voyez, c'est ce qui est cool, c'est que si t'as un petit penchant à te lasser du jeu, tu vois, t'en as marre de jouer à Euro Truck, eh ben, t'installes des petits modes et tu changes totalement ta façon de jouer ton gameplay. Et ouah, c'est incroyable. Le fait d'avoir changé l'angle de la caméra, le fait d'avoir ajouté. Ce mode graphique et d'avoir ajouté ce mode là qui me permet de tourner la caméra de manière fluide, mec, là ça m'a remotivé à faire cette vidéo dans tous les cas. Oula, on va quand même essayer de rester sur la route. C'est légendaire. Donc je suis trop content quoi. Voilà, c'était la petite cinématique du pont. Avec les falaises, pardon, je voulais pas vous taper dans l'oreille. Incroyable. Ça c'est un peu moins incroyable, j'aime pas les bateaux comme ça. C'est les bateaux de pêche ça, je reconnais hein. Non je sais pas, je dis des bêtises. Pour moi c'est un bateau de pêche, dites moi si je me trompe. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je dis pas ça vraiment pour De toute façon j'ai pas besoin de me justifier mais c'est magnifique. Ah oui mon ami, quand même. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que ça rend pareil chez vous parce que je pète un câble sinon. Je me régale. Est-ce que le camion de pompier viendrait pas de dépasser pardon, la voiture rouge où je dis des bêtises ou j'ai eu une hallucination, j'ai l'impression. Ma foi, on va prendre à droite. Oh merde, on va livrer chez Routiconic Natrov. Attends, mais on va livrer chez le copain. Si j'ai pas de bêtises, attendez. J'ai un vague souvenir. J'ai un vague souvenir. Parce que je suis déjà passé par là une fois. Et faut dire que la route est vraiment stylée pour le coup. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est beau, c'est beau. Là, ceux qui connaissent pas, enfin qui comprennent pas l'intérêt de jouer à Euro Truck, franchement, si vous êtes pas émerveillé, bah alors c'est pas grave. Et dans ce cas-là, bah vous passez à côté de ça. Mais si vous êtes émerveillé, bah voilà, vous avez l'intérêt de jouer à Euro Truck. L'intérêt de jouer à Euro Truck, c'est ça. C'est de voyager littéralement et de se faire plaisir aux yeux. De la même façon que quand tu joues à je sais pas quoi. Bon. Pas d'exemple. J'ai installé un mode aussi, regardez. C'est une remorque de Noël. Voilà. Bah ça aussi, je crois. Voilà, Christmas. On va à gauche, là. Hein. Happy New Year. Voilà, c'est les petites remorques de Noël que j'ai installées. Voilà, c'est des petits plaisirs.
C'est des petits plaisirs. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Bien sûr. Moi j'arrive à tout faire. Magnifique. Et finalement on va pas livrer chez la personne que je croyais. Je croyais qu'on livrait chez... Bah non mais de toute façon je suis con, c'était écrit dès le début. Transport Grand Ouest. Voilà. Hop là. Les petits virages comme ça. Là en moto c'est que du plaisir hein. Là je pense que Miss... Attends je vais me venger parce que Miss elle s'est moquée de moi dans une des dernières vidéos. Donc là je pense que Miss elle ferait... Elle tomberait dans les pommes. Je pense qu'elle tomberait dans les pommes avec tous ces virages. Oui parce qu'elle s'est moquée moi dans la dernière vidéo de Fox où elle a vu un étang, même pas un étang, elle a vu de l'eau au bord de la route mais genre moche. Et elle a dit c'est une plage pour certains. Elle me visait moi bien sûr. Non, c'est... Merde. Je suis énervé. Bon on est arrivé. On est arrivé au transport Grand Ouest. On va laisser passer la voiture qui va nous laisser passer à tous les coups. Non c'est bon, superbe. Et on y va. Hop là. On a des barrières. Me semble-t-il que c'est aussi un mode que j'ai installé, si je dis pas de bêtises. Seul My Goodness peut le confirmer. Peut-être que c'était déjà de base, mais je crois que j'ai installé un mode aussi. Enfin, j'ai fait plein de choses en fait. J'avais oublié que j'ai installé beaucoup de modes. On va faire la manœuvre parce que je l'ai quand même pas faite dans la dernière vidéo. Donc voilà, je vais me faire pardonner. Faute à moitié pardonner, demi-avoué. Non, c'est pas ça. Demi de Lovato, bien sûr. Ah, j'aime bien. Je l'aime bien. Hop. Alors regardez parce que ça va être très très beau. Hop. Ni vu ni connu. Voilà, j'étais pas sûr de mettre la marche arrière comme il fallait. Et là regardez, ça va aller très très vite. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Oh là là. Une précision tapeur hein. Une précision tapeur. Je pense que je vais être embauché par tous les patrons sans même avoir le permis. Regardez-moi ça. Ah je suis autodidacte hein. Et je regarde que le rétro gauche. Ah mince, dommage, j'aurais pu faire ça mieux mais bon, au moins l'essentiel est dans l'actel. Et voilà toc. On est plutôt pas mal hein. On regarde un petit peu quand même pour être sûr. C'est parfait. C'est absolument parfait. Alors j'ai les pleins phares, me demandez pas pourquoi. Ah oh, c'est joli, c'est joli, c'est un sapin de Noël le bordel. Bref, ah j'ai kiffé. J'ai kiffé cette livraison messieurs dames. Je vous le dis, 11 km de bonheur, 16 minutes de plaisir. Ah on peut le dire. Et on passe niveau 3. Et ça c'est super, donc on peut s'octroyer bien sûr. S'octroyer, non ce n'est pas le mot. On va se mettre longue distance, c'est pas mal. On applique et on se retrouve. On peut pas voir le numéro de la version du jeu. Non, bon, mais en tout cas, je suis bel et bien en 1.46, hein, je veux bien le confirmer. On a la banque qui nous propose de belles choses, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on fera un emprunt à la banque et qu'on achètera un camion, mais peut-être pas tout de suite. Parce que la dernière fois qu'on a fait ça, je me suis lassé du jeu, souvenez-vous. On va éviter de faire ça pour le moment. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. On va rester sur une base de 150 likes pour le moment. On va pas chercher plus loin parce que vous êtes un peu timide. Je vais vous décoincer, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre à l'aise. Voilà, on va se mettre à l'aise tranquillement. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Hop, on se remet dans le Scania. Bam. Voilà, on est plutôt pas mal dans le Scania. Et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.